Pardon, la rifaccio. Mon intérêt, ma passion pour la photo s'est manifestée de façon très naturelle quand j'étais petit. Je voyais mon père qui n'était pas un professionnel. Mais il faisait quand même des photos avec beaucoup de goût et d'enthousiasme dans les moments importants de la vie de notre famille. J'aimais cette idée de fixer une mémoire sans projet réel, mais de manière improvisée. Ma in maniera molto estemporanea, no? E quando ho sviluppato la quand j'ai développé ma passion pour la musique, j'ai pensé comment faire pour garder une trace de ce que j'écoute au-delà du disque et plus tard au-delà des concerts. Comment est-ce que je peux garder les émotions que ça procure et les partager? Une photo, c'est quelque chose qu'on peut partager et on le faisait déjà bien avant le temps des réseaux sociaux et d'Internet. Guido Harari est un photographe italien. Pendant des années, il a parcouru le monde, rencontré et photographié les plus grandes légendes de la musique. Bob Marley, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Pavarotti, Leonard Cohen, Frank Zappa, la liste est interminable. Lou Reed a déclaré à son propos « Je suis toujours heureux quand Guido me photographie, je sais que ce sera une image musicale, il y aura de la poésie et des sentiments ». Il dirige aujourd'hui à Alba, dans le Piémont, la galerie et maison d'édition Wall of Sound. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet, seulement quelques librairies avec très peu de livres ou de journaux consacrés à la photo et pas d'école de photographie près de chez moi. J'essayais de dévorer tout ce que je pouvais. J'allais beaucoup au cinéma. Enfant, j'ai commencé à photographier dans les cinémas. J'y allais avec mon appareil, je restais pendant plusieurs séances, je repérais les scènes qui m'intéressaient et je les fixais. Donc, le cinéma a été une école, les pochettes de disques aussi, comme les livres et les journaux de l'époque. Et bien des années plus tard, j'ai pu rencontrer les auteurs de ces photos que j'appréciais quand j'étais enfant. C'est comme ça que j'ai découvert les trucs du métier. Guido Harari, passionné de musique et de photographie, commence sa carrière dans les années 70, collaborant avec les magazines musicaux importants de l'époque. Il travaille avec de grands artistes italiens et internationaux, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Simple Minds, B.B. King, Bob Dylan, entre autres, le solliciteront pour leurs pochettes d'albums. Dans les années 90, il diversifie son travail, s'intéressant à la publicité, la mode, le reportage, tout en multipliant les expositions. En 2011, il fonde Wall of Sound Gallery, la première galerie de photos italienne consacrée à la photographie musicale et également maison d'édition. Couleur ou noir et blanc, c'est le vieux duel inutile du type Cartier-Bresson contre La Chapelle. Photographie vera, photographie vraie contre photographie fausse. Il y a juste la photo et il y a le regard. Le choix du noir et blanc ou de la couleur, c'est juste un moyen, une possibilité de traduire l'état d'âme d'un moment. Aujourd'hui, tout est possible. Avec le digital, on est en couleur et on peut passer au noir et blanc. Moi, j'ai toujours essayé de faire les deux et je dois dire qu'après tant d'années, j'ai tendance à retourner sur mes pas. Je récupère mes photos du passé et je les remasterise, comme on dirait en termes musicaux. Donc, je les transforme de la couleur vers le noir et blanc ou vice-versa, en fonction du regard que j'ai aujourd'hui sur ces photos que j'ai réalisées 10, 20 ou 30 ans en arrière. Ces derniers temps, je me concentre particulièrement sur mes propres archives parce que j'ai eu la chance de fréquenter plusieurs artistes et de les photographier en de multiples occasions.
Donc, toutes les étapes importantes de mon parcours, je voudrais les transformer en livres. Je l'ai déjà fait avec Tom Waits, avec Fabrizio De André. Je vais le faire pour Leonard Cohen. C'est un peu le temps des bilans dans la vie d'un photographe, et le fait de revoir, de redécouvrir ce qui a été fait, te permet aussi de trouver des perles inédites que tu n'avais pas remarquées à l'époque, mais qui prennent de l'importance à travers ce travail plus approfondi. Thank you.